El Señor on the beat. Aujourd'hui on va faire l'instrumental de Fally Zoto. Donc tout d'abord tu vas mettre ton tempo à 129 comme tu peux le constater ici. Maintenant il va te falloir jouer la guitare initiale. Voilà, dès lors que tu as mis cette guitare-là, maintenant tu ajoutes un tam-tam. Donc c'est des instruments qui sont disponibles dans un pack qui est dans la description. Tu cliques juste dans le lien dans la description pour télécharger gratuitement ce pack. Ce tam-tam, tu vas le faire jouer comme ceci. Ok, donc maintenant il y a des notes un peu aiguës du tam-tam que tu vois disposées également comme ceci. D6 comme ceci. Voilà, maintenant tu ajoutes une petite batterie, donc c'est des snares de basse que tu vas trouver dans FL Studio ou bien dans le drum kit en téléchargement dans la description. Tu ajoutes des snares comme ça. Voilà, maintenant tu vas faire entrer ce qu'on appelle des shakers, c'est des tchik tchik. Voilà, une fois que tu as mis les shakers, tu ajoutes maintenant la flûte, c'est-à-dire l'instrument qui vient apporter une nouvelle dynamique à la mélodie si tu veux. Voilà, c'est une flûte que j'ai pris dans Pure Carina Flûte. Donc tu t'en vas d'en haut, tu win, tu prends cette flûte là, tu disposes comme ça, tu as cette sonorité ici. Voilà, maintenant tu vas en faire entrer les différentes basses. Ok, donc maintenant, ça c'était l'intro. Maintenant, il y a des parties où tu es obligé de mettre un peu des batteries avec le kick pour pouvoir donner une autre cadence à l'instrumental. Donc du coup là, tu vas insérer du kick et tu vas mettre une caisse beaucoup plus imposante pour faire la batterie. Voilà, donc si on arrive à la fin de la vidéo, clique dans le bouton dans la description pour profiter de l'offre Black Friday. Les différents produits sont à moins 50%. Tu as la possibilité de pouvoir t'inscrire directement dans le lien dans la description aux différentes formations et télécharger les différents packs de guitares et outils qui sont disponibles à moins 50%. Tu as également dans la description mes différents contacts avec mon lien Instagram. Tu pourras directement me contacter via Instagram si tu as des questions. Sur ce, ciao!